sommes la compagnie SEMA. Nous sommes tous au conservatoire du 9e dans des sections différentes. Nous allons vous présenter Carrie, qui est une pièce qui a été écrite cette année. Carrie est un conte assez symbolique, inspiré du mythe d'Icare. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui est emprisonné dans une toute petite société, qui rêve de s'envoler, et ce rêve va déclencher l'action dramatique. L'écriture de la pièce a pris sa source pendant le confinement, donc d'où l'aspect un peu de... une société cloisonnée. J'ai écrit cette pièce cet été durant les incendies qui ont frappé tout le sud de la France. Et c'était en rapport avec le thème « Quel héritage souhaitons-nous donner aux générations futures ? Est-ce que c'est vraiment un monde fermé, un monde qui brûle ?» Ça parle un peu de ça. Toute l'écriture prend sa source là-dedans. C'est notre professeur de la dramatique qui nous a partagé l'appel à projet du Festival des Cultures Jeunes. Je fais ce qui s'appelle un certificat d'études théâtrales cette année, donc mon diplôme de fin de conservatoire. Et c'était l'occasion de le partager et de l'ouvrir en dehors du conservatoire, de vraiment le partager avec le plus de monde possible. Nos attentes, c'était de justement pouvoir monter la compagnie, pouvoir partager, diffuser cette pièce et d'avoir le côté le plus professionnel. Le fait de le faire en CET, c'est quand même à l'intérieur du conservatoire, donc il y a quelque chose d'assez confortable. Et là, c'était de mettre déjà un pied dans le monde professionnel. On a surtout cette volonté de jouer le plus possible. C'est le début de l'aventure et on veut vraiment que ça se poursuive. Tant qu'on peut jouer, tant qu'on peut essayer de pouvoir en vivre de ce projet, en tout cas commencer à pouvoir en vivre, c'est ce qui compte.